Donc ici, je suis Roger Mukoga, président fondateur de l'association Ensemble Aidons-nous. Je viens juste présenter le rapport de et la conclusion ou les conclusions de ce qui a été pris comme décision avec les responsables qui ont pu répondre présent à cette réunion et à cette mise à plat et la restauration de l'association Ensemble Aidons-nous. Donc la conclusion ou les conclusions qui ont été prises à ce jour selon l'article 11. L'article 11/01/2020, à ce jour, tous les membres de l'association du bureau est dissous. Plus de vice-président et tout ce qui suit. Donc tout le bureau est dissous à ce jour. Il n'y a plus aucun membre ne doit encore exister dans la, aucun membre du bureau ne doit exister à ce jour dans l'association. Tout est dissous. Donc nous allons reconstruire un nouveau bureau de l'association. Nous allons reconstruire un nouveau bureau et pour le moment, c'est seul le président fondateur qui reste à la plus grande charge de tous les membres simples de l'association jusqu'à nouvel ordre. Donc les cotisations, les versements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Plus de cotisations, plus de versements jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le bureau sera mis en place à nouveau. Et je pense que c'est ce qui doit être fait. Monsieur le SG, qui est le secrétaire général de l'association, par rapport à prise de décision que nous avons évoquée, que nous avions décidé, vous confirmez que le bureau est dissous de l'association, et vous confirmez que seul le président fondateur reste à la lourde charge de pouvoir répondre aux besoins et aux difficultés de l'association jusqu'à nouvel ordre. Que les choses ne vont pas, on refait tout à zéro afin de pouvoir aller de l'avant. Donc, sauf le président qui sera toujours maintenu, mais d'autres options seront changées. C'est déjà changé ou seront changées? C'est déjà changé. C'est déjà changé. C'est déjà nouveau changé. Voilà. D'accord. Donc, plus de vice-président, plus de membres du bureau. Sauf le président qui serait toujours en exercice. D'accord. Monsieur Joël, est-ce que vous avez quelque chose à commenter par rapport à la mise en place qui vient de s'effectuer dès maintenant, aujourd'hui même, au deuxième arrondissement du quartier Mbolet à son siège? Non, pour le moment, je vais vous dire. Sophie. Moi, je parle à toi. D'accord. Ok. Donc, non, je n'ai pas peur, j'ai seulement dit pour le moment, ça suffit. Il n'y a pas battu tout, d'accord. Il n'y a pas. Ok. La caméra, ok. Il n'y a pas la caméra.